Sur le mont Olympe avec son père et dans la ville d'Athènes avec sa mère. Il est grand, fort et très musclé. Ouh ! Et il est aussi rapide comme l'éclair. Il a de longs cheveux bouclés et des yeux bleus. Les filles l'adorent. Oulala ! Arguléon aime courir, faire de la musculation et jouer avec ses amis. Quand il va à l'école, il ne travaille pas bien parce qu'il ne pense qu'à s'amuser. Alors tout le monde pense qu'il est bête. Parfois, les gens se moquent de lui. Mais pas trop, car ils ont peur que Dieu se mette en colère et leur lance un éclair. Arguléon est un peu triste que les gens le trouvent bête. Mais il a quand même beaucoup d'amis parce qu'il est très gentil. Il est courageux et il défend les gens en détresse. Comme les personnes âgées ou les aveugles. Il a de la peine pour les faibles et il essaie toujours de les aider, car il est très généreux. Arguléon fait la course dans Athènes avec un ami. Il franchit des obstacles et un tunnel très profond. Il nage sous l'eau. Après être passé sous l'eau, il grimpe sur le toit des maisons. Il grimpe au sommet des arbres. De temps en temps, Arguléon, fatigué, s'arrête pour se reposer avant de reprendre la course. Les deux amis ont chaud. Soudain, Arguléon arrive devant un précipice très profond. Sûr de sa force, il prend son élan pour sauter, pensant qu'il va facilement atteindre l'autre côté. Hélas, il rate et tombe dans le précipice. Son ami, plus malin, fait tomber un arbre en travers du trou et passe comme sur un pont. C'est lui qui gagne la course. Zeus est très fâché contre son fils. Pourquoi as-tu perdu la course? Tu t'en souviens bien? Je suis bête. Tu vas chercher le coffre qui rend intelligent. Pour cela, va voir l'arbre qui parle au sommet de la montagne. Il te dira où chercher. Oui, père. Alors, Arguléon va chercher l'arbre qui parle. Arguléon marche pour trouver l'arbre qui parle. Il va au sommet de la montagne. Arguléon s'assoit sur un rocher. Derrière lui, une voix le surprend. C'est l'arbre qui parle. L'arbre a des branches géantes et des racines qui bougent. L'arbre lui demande. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Arguléon et je dois trouver un coffre qui rend intelligent. Ah, je vois. Si tu veux avoir la clé qui ouvre le coffre de l'intelligence, tu dois jouer à un jeu dans lequel tu dois réfléchir. Écoute cette énigme. Je suis verte quand je nais. Je suis marron et jaune quand je vais mourir. Pour mourir, je tombe. Une autre que moi naîtra à ma place. Qui suis-je? Arguléon va réfléchir longtemps. Il ne trouve pas la réponse. L'arbre dit « Tu n'as pas trouvé la réponse, je te donnerai pas la clé, tu ne deviendras jamais intelligent. » Et l'arbre bouge pour s'en aller. Arguléon le regarde s'éloigner. Tout à coup, il crie « Quand tu bouges, tes feuilles tombent. J'ai trouvé ! La réponse à ton énigme est une feuille !» Alors, l'arbre lui donne la clé du coffre. Il lui dit « Je ne sais pas où se trouve le coffre. » Mais je sais où se trouve un indice qui te permettra de le trouver. Tu dois aller dans le labyrinthe. Mais attention au Minotaure. Arguléon remercie l'arbre, prend la clé et part vers le labyrinthe. Arguléon marche longtemps dans la forêt profonde et effrayante.
Il arrive enfin devant le labyrinthe qui est caché derrière un buisson. Devant le labyrinthe, il rencontre Dédale. Dédale lui donne la carte du labyrinthe. Sur la carte est dessiné l'endroit où se trouve l'indice. Herculéon, pénètre dans le labyrinthe. Il n'y a pas beaucoup de lumière. On n'y voit rien. Soudain, Herculéon voit le Minotaure. Il ramasse des bouts de bois et des os humains. Il les assemble pour faire des marionnettes. Herculéon met les marionnettes devant le Minotaure, qui se précipite pour les dévorer. Herculéon aperçoit l'indice, c'est une boussole. Oh ! Il se souvient qu'il a la carte du labyrinthe. Ah oui, c'est vrai. Il la regarde pour voir s'il n'y a pas un autre chemin. Il trouve un autre chemin pas très long qui passe derrière le Minotaure. Il se saisit de la boussole. Mais Hera, déesse de la colère et de la jalousie, envoie un serpent contre Herculéon. Ce serpent arrache la carte du labyrinthe qui était dans la ceinture d'Herculéon. Herculéon n'a plus de carte pour sortir du labyrinthe. Il est tellement en colère qu'il détruit toutes les parois du labyrinthe avec ses poings. Les murs s'écroulent sur le Minotaure. Herculéon peut s'enfuir. Herculéon sort du labyrinthe. Il observe la boussole. Il voit qu'il y a une flèche qui indique toujours la même direction, même s'il bouge la boussole. Ne sachant pas où elle est, il décide de suivre la flèche. Il marche longtemps et il arrive devant une montagne immense, une montagne de glace. Il voit l'entrée de la caverne. C'est une porte de glace. Il donne de gros coups de poing dans la montagne qui s'écroule. Une avalanche commence. La porte de glace se brise et un escalier apparaît. Herculéon monte les escaliers. En haut des marches, un grand cyclope est devant lui. Le cyclope ne veut pas le laisser passer. Non. Herculéon n'a pas peur parce qu'il ne sait pas ce que c'est un cyclope. Le cyclope crie sur Herculéon. Alors Herculéon l'attrape par l'un de ses orteils et le jette en dehors de la caverne, par-dessus la montagne. Il arrive dans une deuxième grotte. Mais un cyclope garde l'indice, une carte qui indique l'emplacement d'une île. Le coffre de l'intelligence doit sûrement se trouver sur cette île. Herculéon s'approche. Le cyclope furieux l'attrape dans ses mains gigantesques. Herculéon a beau se débattre, sa force n'est pas suffisante. Que faire ? Soudain, il a une idée. Il décide de lui parler. Il lui demande s'il ne s'embête pas trop tout seul, dans cette grotte cachée au cœur de la montagne. Il lui propose de boire du vin. Ils boivent ensemble. Le cyclope s'endort. Herculéon lui crève l'œil avec son épée, prend l'indice et se sauve. Fou de douleur, le cyclope le poursuit en se cognant contre les parois de la montagne. Herculéon a réussi à sortir de la grotte, mais dans sa course, il a lâché la carte. Elle est tombée sur le sol. Tout à coup, le premier cyclope furieux réapparaît. Il se rapproche à grands pas. Heureusement, l'aigle de Zeus attrape la carte et la redonne à Herculéon qui s'éloigne très rapidement. Il arrive sur une plage. En face de lui, au loin, il voit l'île indiquée par la carte. Pour y aller, il doit traverser la mer, mais il y a beaucoup de requins. Découragé, il s'assoit sur le sable en se disant qu'il ne deviendra jamais intelligent. Il n'y a personne pour l'aider. Il ne voit que du sable, la mer et des palmiers. Il repense au début de ses aventures, la course qu'il avait perdue contre son ami. Soudain, il a une idée. Son ami a gagné la course en utilisant un arbre pour faire un pont. Il va utiliser un arbre pour faire un bateau. Il coupe un arbre, arrache les branches. Puis il s'installe sur le tronc de l'arbre coupé et rame jusqu'à l'île avec une branche. Au centre de l'île, il trouve un titan assis sur un gros rocher. Herculéon dit : Je cherche le coffre de l'intelligence. Peux-tu m'aider à le trouver ? Il doit être sous ce gros rocher. J'ai déjà essayé de soulever ce rocher, mais il est trop lourd pour moi. Peut-être que à deux on pourrait y arriver. Si je t'aide,
tu devras partager tout ce que tu trouveras dans ce coffre. D'accord. Il soulève ce rocher et trouve deux coffres. Il y a le coffre de l'intelligence et le coffre de la bêtise. Erguelon se souvient qu'il a la clé du coffre de l'intelligence. Alors il essaie les serrures. Il ouvre le bon coffre et il voit un verre d'eau magique. Erguelon se dit qu'il doit boire le verre d'eau magique pour devenir intelligent. S'il partage le verre avec le titan, il deviendra à moitié intelligent. Il hésite, mais il a donné sa parole. Alors, il partage le verre d'eau avec le titan. Ensuite, il remercie le titan de l'avoir aidé. Zeus, qui a tout vu du haut du mont Olympe, envoie son aigle chercher Herguléon pour le ramener auprès de lui. Bonjour Herguléon. Bonjour père. Tu as réussi, tu as trouvé le coffre de l'intelligence. Tu as terminé ta quête, bravo. J'ai cherché le coffre longtemps, l'arbre qui parle m'a donné la clé et j'ai combattu le Minotaure. Je suis fier de toi mon fils. J'ai bu le verre d'eau mais... Qu'est-ce que passe-t-il ? Le verre d'eau n'a rien changé, il n'a pas d'effet sur moi. Je ne suis pas devenu plus intelligent. Tu n'es pas bête mon fils, cet homme n'était pas magique et le verre d'eau ne servait à rien. Mais si le verre d'eau ne servait à rien, pourquoi m'as-tu fait faire toutes ces épreuves ? Pour que tu aies confiance en toi. Tu n'as jamais été bête, Herculéon. Tu manquais juste de confiance en toi. Ah, j'ai compris. Je te félicite, Herculéon.